prochaines journées, au-delà des 6 mètres, on va appeler nos reporters le long des berges. Nous serons aussi au Louvre, où les œuvres les plus menacées sont en train d'être mises à l'abri. Et puis on va parler de pollution, car avec ces inondations, ce sont des tonnes de déchets qui flottent et qui finiront évidemment dans la mer d'aussi à 12h45. France Info, le réflexe info. France Info, il est midi. Le journal avec Noémie Bonin. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Les prévisions revues à la hausse, donc pour le pic de la crue de la Seine aujourd'hui à Paris. Ailleurs, dans le centre et en Ile-de-France, la tendance est plutôt à la baisse du niveau de l'eau, même si des habitants ont encore été évacués ce matin, comme à Viry-Châtillon en Essonne. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Hier, jeudi 3 juin 2016, a été annoncé à la radio le décès d'un homme de 74 ans qui était à cheval et qui s'est trouvé pris dans les inondations. Je souhaite revenir sur la disparition malheureuse de cette personne, car elle fait écho à un dossier dont je me fais le rapporteur depuis de nombreuses années maintenant, qui concerne une double menace d'invasion extraterrestre. La menace la plus grave est en rapport avec le christianisme, et on a véritablement affaire à des imposteurs qui, au nom d'une prétendue justice divine, cherchent à prendre possession de la terre à travers la croyance de l'humanité en Jésus Sauveur. Le second groupe extraterrestre, qui a un temps été soutenu par la source, la mère de l'univers, appelée Dieu par certains, la source qui condamne maintenant ce second groupe pour mauvais comportement et qui a abusé de ma crédulité. Ce second groupe extraterrestre se manifeste aussi, est un ennemi de longue date du groupe d'en face, le groupe Pro-Jésus. Ce second groupe est nettement moins dangereux que le groupe Pro-Jésus. Pour moi, cela va sans dire. Chacun se fait son opinion s'il le peut, chacun se fera son opinion. Et j'espère personnellement qu'aucune relation n'aura lieu de manière étroite, ni même distante d'ailleurs, avec ces présences extraterrestres, quelles qu'elles soient. Ce second groupe m'a menti. La source de la vie m'a menti. Et ce second groupe m'agresse actuellement parce que, après que j'ai été en lien avec lui en 2008, puis 2009, et que j'ai commencé à me distancer de ces personnes qui ont prétendument rendu des services contre le groupe extraterrestre Pro-Jésus, qui est extrêmement dangereux, qui m'avait piégé en 2006 puis 2007 comme rapporteur de leur communication dans des crop circles. Ce second groupe, comme le groupe Pro-Jésus, certes, beaucoup moins gravement, mais tout de même, me viole psychiquement, nuit et jour, et souvent la nuit, en m'envoyant des images qui sont de véritables insultes, sachant que, à la base, je condamne le viol psychique, c'est-à-dire la transmission de messages contre le gré de la personne dans son cerveau, dans son psychisme, qui sont visualisés ou auditionnés et éventuellement font intervenir, c'est le cas du groupe Pro-Jésus qui est particulièrement horrible, des simulations de sensations du corps. Ce sont des simulations, c'est-à-dire que le corps ne les vit pas, mais le cerveau interprète les messages haineux réceptionnés comme des sensations physiques. Donc si on veut suggérer une impression
d'aliments désagréables, eh bien, c'est possible avec des technologies. J'en suis témoin. Alors, je me suis fait avoir par la source qui planifiait une certaine forme d'aide par des extraterrestres qui sont malfaisants, mais j'aimerais vous dire, certainement pas plus malfaisants que la plupart des humains de la Terre. Parce que construire des bombes atomiques, c'est être malfaisant. Exploiter des animaux dans des laboratoires, sous couvert d'ailleurs de lois, hein, parce que la Commission européenne accepte dans ses lois que des rats en laboratoire supportent des injections de glyphosate ou d'autres choses pour faire des essais de cancérogenèse, c'est être malfaisant. L'esclavage humain, c'est être malfaisant. Le terrorisme épouvantable, c'est être malfaisant. Éliminer ses adversaires terroristes en leur balançant des drones, au lieu d'inventer des armes non létales pour les faire prisonniers, c'est être malfaisant. Construire encore des bombes nucléaires, c'est être malfaisant. Conquérir l'espace, c'est être malfaisant. Prétendre qu'on veut explorer la vie sur Mars pour s'intéresser à la vie et commencer de interpérer avec cette vie qui existerait sur Mars en y mettant des robots, de quel droit? De quel droit? Si aujourd'hui des extraterrestres commencent à installer un robot dans votre jardin pour venir explorer, est-ce que vous allez être d'accord avec cela? Est-ce que ça va vous plaire? N'allez-vous pas revendiquer votre droit à la vie privée et même quelque chose de plus profond? Votre droit en tant qu'être d'une planète à ne pas être dérangé par autrui si on ne vous en demande pas au préalable votre autorisation, une autorisation qui ne saurait être seulement individuelle mais qui devrait être collective, sachant qu'un refus individuel devrait suffire pour ne plus être dérangé par des présences extraterrestres. Eh bien, mon refus qui est total de ces présences extraterrestres, je vous le dis, il ne suffit pas. Et ça fait des années que je refuse toutes ces présences extraterrestres. Il ne suffit pas. Et non seulement il ne suffit pas, mais je suis attaqué psychiquement. Je suis un représentant de l'humanité. Ça veut dire que moi, tant que je ne peux pas le prouver, et c'est très difficile pour moi de le prouver, ces agressions psychiques, ces personnes extraterrestres misent sur des difficultés de ma part, ou une impossibilité de communiquer, ou une difficulté pour vous d'accepter ce que je vous dis, ou au moins de le reconnaître comme hypothèse, comme élément vraisemblable, oui, même si ma connaissance ne me permet pas de le vérifier, oui, même si la science actuelle ne permet pas de le vérifier, je veux être honnête intellectuellement et j'envisage que M. Bourquin, qui se plaint, est véritablement agressé par des extraterrestres parce qu'il combat ces extraterrestres. Cela, ce serait une bonne attitude de votre part. Malheureusement, vous êtes des dizaines de milliers maintenant, depuis des années que je alerte au sujet de ces présences. Cela, il y en a très peu parmi vous qui ont la qualité, je dirais, de le faire, de reconnaître que ces agressions, elles sont véritables. Eh bien, je vous plains, parce que si vous ne le faites pas, je vous plains, je vous condamne aussi de ne pas le faire, mais je vous plains. Parce que nous avons affaire à des présences qui se servent de notre ignorance scientifique pour nous avoir et qui se servent de technologies extrêmement puissantes, lâches, hypocrites, traîtres, méprisables, lamentables, pour s'introduire dans le cerveau d'autrui et interférer ainsi avec une des choses les plus précieuses que nous défendons, c'est la libre pensée et c'est le libre choix intérieur et c'est la paix intérieure, la tranquillité intérieure. Si on n'a même plus ça, je vous le dis personnellement, ça m'arrive d'y penser.
La vie ne vaut plus d'être, ne vaut plus le coup d'être vécue pour moi. Elle n'a plus d'intérêt. C'est pas la vie d'ailleurs, c'est la vie corrompue, la vie envahie. Et il y a des jours où je désire disparaître, comme il y a des jours où je désire que vous, nous, moi avec, nous disparaissions. Parce que la vie dans l'univers, fondamentalement, n'a jamais souhaité toutes ces horreurs que nous vivons et que nous partageons avec des extraterrestres qui ne valent pas mieux que nous et nous ne valons pas mieux qu'eux, qui sont condamnés par la vie. Eh bien, ces destructions, personnellement, je les souhaite toujours. Et je ne souhaite pas, quand je parle de destruction, attention, je parle de destruction par la nature. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce que j'ai atteint l'état d'éveil, on dit Bouddha en Asie, je génère des résonances profondes qui aident la nature à se défendre. La nature détruit, elle adresse des messages, la nature aide aussi, est généreuse, elle adresse aussi des messages. Moi, je suis en accord avec la nature, avec les fondements de l'être, donc j'ai beaucoup d'amour pour la population, j'ai beaucoup d'amour encore plus pour la vie que pour la population qui est très souvent détestable. Donc, pour que vous compreniez bien, j'essaie de trouver mon équilibre par rapport à ces tendances qui sont de soutenir la nature pour préserver la vie, pas seulement ici, mais surtout à l'extérieur, dans l'univers, là où elle n'est pas encore atteinte par des visiteurs étrangers. Parce que prenez bien conscience que même si notre science, maintenant, ne sait pas faire encore ce que ces extraterrestres font, c'est-à-dire venir chez nous dans des délais très brefs, elle pourrait le faire, et j'espère qu'elle ne pourra jamais le faire, dans un certain nombre d'années qui ne sauraient être si éloignées que cela du jour où je vous parle. Et que certains de nos scientifiques, sous secret militaire, font de la rétro-ingénierie à partir d'objets volants d'origine extraterrestre qui se sont écrasés sur le sol américain, mais peut-être aussi le sol de l'ex-Union soviétique, peut-être le sol de la Chine, qui sait, peut-être le sol français, je ne peux pas le dire, ça a été envisagé dans un journal qui est assez sérieux pour parler de ces choses-là. En tous les cas, sur le sol américain, ce serait arrivé plusieurs fois, notamment près de Roswell, sur deux sites, le même jour, aux environs du 4 juillet 1947, ça a été annoncé par un militaire américain, repris par l'agence France Presse et ensuite démenti par l'armée américaine qui a prétexté que c'était en fait une erreur de constat par les militaires que c'était un ballon, une sorte de ballon d'essai. Comme si les militaires américains pouvaient se tromper dans l'identification entre des débris d'un véhicule extraterrestre et un ballon qu'ils envoient eux-mêmes. N'importe quoi, on vous prend pour des cons. Et vous préférez peut-être rester dans le déni, c'est-à-dire vraiment être stupide et vous faire manipuler. Peut-être en tirez-vous certains avantages, mais cela ne va pas durer. Il va falloir que vous vous défendiez, parce que c'est pire que la NSA, ces extraterrestres. Alors maintenant que j'ai découvert, certains diraient, le pot aux roses, les pièges, les manipulations, les dominations, et je n'ai pas encore tout découvert, je ne découvrirai sans doute pas tout le jour de ma mort. Je souhaite vous dire que je les combats médiatiquement, psychiquement, en criant dans la rue, parfois en manifestant. Je ne prendrai pas les armes, sauf si on m'attaquait, je n'ai pas d'armes chez moi, je déteste cette notion-là. Mais sachez qu'eux ont des armes, ils vous le cachent, ils ont des armes, et ils sont installés ici, en partie sur la Terre et ailleurs dans nos systèmes solaires, parce que c'est pratique pour eux. Est-ce que
acceptez ça? Alors, cet homme de 74 ans, qui était à cheval, qui est mort, 74, c'est le renversement de 47. 47, c'est la clé de classification des idéogrammes chinois qui signifie le ruisseau. Cet homme est mort en zone inondée, si j'ai bien compris l'information d'hier. Notez que le cheval, c'est la clé de classification des idéogrammes chinois qui est 187. Le 187 contient le 78 en permutant le 7 et le 8. Le 78, c'est la clé qui signifie la mort. Alors cet homme n'est pas mort sans que cela ait un sens par rapport à ce dossier. Parce que ces clés dont je vous parle maintenant, elles ont servi à chiffrer des communications avec le groupe extraterrestre qui a prétendument pris notre défense. Et j'en ai apporté de nombreuses preuves, dont des preuves dans un crop circle réalisé par ce groupe extraterrestre avant que je connaisse son existence, avant que je m'intéresse aux crop circles. Les crop circles, c'est des grands dessins faits dans des champs. Un des crop circles les plus complexes qui a jamais été fait, le 12 juillet 2001, en Angleterre, à Milk Hill, au sommet d'une colline. D'après certains rapporteurs, il avait énormément plu la nuit où ce crop circle a été réalisé. En contrebas de cette colline, une falaise avec, tenez-vous bien, je ne fais pas de jeu de mots, un cheval blanc taillé dans la craie de la colline. Ce crop circle comporte 408 disques et un disque central. Ces disques sont répartis sous forme de 6 croissants avec des petits disques autour et la formation tournoyante avec ses croissants de lune, ces 6 croissants, donne l'impression peut-être d'une galaxie, peut-être d'une dépression dans notre climat avec tous ces nuages. Ça peut suggérer cela aussi. Alors, la clé 74, je pense à l'âge de cette personne qui est décédée, la clé chinoise, et correspond aussi à la lune, et on va retrouver ces croissants de lune. Donc on a une évocation du temps. Et ces extraterrestres ont voulu faire là un lien avec moi, dont l'âme a été celle de pré-Bouddha et non pas de Bouddha. Je me suis mis très en colère récemment, dans une autre vidéo que j'ai publiée très récemment, avant ces inondations, je crois, où j'ai dénoncé dans le Dhammapada, qui est un ouvrage de référence pour les bouddhistes, qui remonte aux paroles du Bouddha et de ses disciples, j'ai dénoncé la métaphore du domptage des animaux. Il est question du domptage des éléphants, il est question du domptage aussi des chevaux, et même de l'usage du fouet, parce que se maîtriser soi, selon ces personnes, c'est être docile, devenir sage, comme ces animaux deviennent sages sous l'influence, en quelque sorte, malfaisante de leur dompteur. De tels propos de la part de personnes sont inqualifiables, inacceptables, et je ne saurais nommer Bouddha éveillé des personnes qui maintiennent dans leur pensée pareille représentation, non seulement comme exemple pour le comportement vis-à-vis des animaux que je respecte profondément, mais également vis-à-vis des êtres humains comme exemple d'éducation.
compassion ou de sagesse. Il ne disait pas qu'il fallait fouetter les êtres humains, hein, bien entendu. Ça, c'est sûr. Mais il disait que on peut se conduire, se tenir comme cela. Et cela, je le réprouve. L'instinct suffit. Et contrairement à ce que disent certains religieux, l'instinct n'est pas une honte. Quand ils opposent l'amour, soi-disant, disent-ils, c'est leur vision, hein, l'amour de Dieu, leur vision à eux, à l'instinct, ils se trompent parce que Dieu soutient l'instinct aussi, je veux dire, et que l'amour fait partie de l'instinct. L'empathie, c'est-à-dire la capacité à se représenter ce que vit l'autre et à le comprendre et à l'aider et à le soutenir et à supporter ses difficultés, l'empathie, c'est dans l'instinct. La bête, l'animal que certains méprisent, elle est empathique. D'ailleurs, vous n'auriez pas des chiens comme animaux de compagnie si vous les trouviez empathiques, s'ils étaient sans arrêt des êtres qui vous causent du souci, qui vous causent du tort, qui vous agressent en permanence, vous les refuseriez, vous les renverriez dans la nature. Donc l'instinct, c'est toutes sortes de choses, et c'est aussi l'agressivité, mais l'agressivité qui est saine. L'humanité souffre de représentations qui s'accaparent l'agressivité pour causer du tort à autrui, pour causer du tort à la vie, et même à la source, même à Dieu. L'agressivité de l'homme en elle-même, elle est vertueuse, elle n'est pas malsaine, elle ne conduit pas à l'assassinat. Sauf dans le cas de la légitime défense, quand on ne peut pas faire autrement, ça, la source, Dieu le reconnaît, la vie le reconnaît. Et je le déplore et j'espère que ça n'arrive jamais, qu'il y a toujours des ruses, toujours des possibilités, d'autres solutions pour se tirer d'affaire ou aider autrui à se tirer d'affaire. Enfin, j'en appelle à ceux qui ont des méthodes violentes, comme les policiers. J'en appelle aussi à ces salopards de casseurs qui s'en prennent à des policiers. Faites preuve d'imagination, faites preuve de retenue. C'est vous que vous trahissez quand vous faites sans arrêt appel à des mauvaises représentations pour exercer un pouvoir pour dominer l'autre. Sauf la légitime défense. Mais même avec la légitime défense, on peut imaginer des armes non létales. Alors, cette civilisation est lamentable et cet homme qui s'est noyé, il s'est noyé parce que la population dans son ensemble ne réagit pas face à ces menaces extraterrestres et que la Terre est en colère. Et ces inondations ont lieu très peu de temps après les célébrations à Verdun. Quel a été le message fort à Verdun? Ça a été de dire d'une voix commune, Angela Merkel pour l'Allemagne, François Hollande pour la France, il faut que l'Europe soit forte. Mais que fait l'Europe actuellement? Un, elle vous cache les menaces extraterrestres. Deux, elle prélève une partie de votre impôt pour conquérir l'espace et occuper une place équivalente aux États-Unis et à la Russie principalement, mais aussi à la Chine, dans le domaine de la conquête spatiale. C'est-à-dire que il faut bien voir l'avenir, c'est que l'Europe, la Commission européenne, sait que ces présences extraterrestres existent. Pour le moment, elle le cache. Mais il est inévitable que ces annonces seront faites et que, en continuant d'encourager le développement de la conquête spatiale, chose que je condamne, que la vie condamne, et que la source de la vie, ici et maintenant, je me permets de le dire, je pense, condamne aussi, eh bien, il est inévitable que nous ressemblons de plus en plus, en termes de civilisation mondiale, excepté un certain nombre de peuples dont je salue la sagesse de ne pas faire ces choses-là, des peuples très peu nombreux, mais qui sont beaucoup plus respectueux de la vie que nos civilisations arrogantes à soi-disant développement et progrès. Je veux citer par exemple les Warao,
dans l'embouchure de l'Orénoque. Un documentaire exceptionnel a été fait sur eux il n'y a pas très longtemps, diffusé à la télévision. Hormis ces peuples, l'ensemble de la civilisation mondiale va à la catastrophe et ressemble de plus en plus à ces extraterrestres qui nous visitent. C'est-à-dire que ce déni va être remplacé progressivement et très rapidement sous l'influence de ces extraterrestres qui tentent une opération de, je dirais, d'apprivoisement avec les crop circles de la population mondiale, et pas seulement les crop circles, mais les channelings, et pas seulement ça, ils ont essayé avec moi, mais ça n'a pas marché. Je m'oppose de toute ma force à ces présences, comme je m'oppose à la conquête spatiale de toute ma force. À un moment donné, vous risquez, vous, de céder à ces illusions-là. Et vous risquez de manquer de discernement vis-à-vis de ces présences, ou alors, par passivité, de consentir, ce qui est extrêmement grave, à leur domination, soit aux uns, soit aux autres. Les pires, c'est le groupe Pro-Jésus. Ce sont des gens épouvantables qui ont assassiné des pilotes, qui assassinent des pilotes d'avions, qui assassinent des animaux de bétail, qui ont peut-être aussi assassiné certaines personnes au Brésil, dont les cadavres analysés par des médecins légistes, informations communiquées au Brésil avec des photographies très difficiles à soutenir, vous pouvez les trouver sur Internet, des personnes dont les cadavres ressemblent étrangement aux cadavres atrocement mutilés d'animaux de bétail aux États-Unis. Des animaux de fermiers qui ne réussissent pas à obtenir du gouvernement de leur État et même du gouvernement central à Washington la reconnaissance que leurs bêtes ont été assassinées par des présences extraterrestres. Ils ne peuvent pas obtenir cela. Alors, je vous dis, j'espère que dans le futur, vous allez reconnaître qu'il y a des victimes extraterrestres. J'en fais partie. Mais je ne fais pas partie des victimes les plus graves. Je connais une personne ici à Lille, dans un magasin, qui s'occupe de la sécurité, à laquelle je me suis confié. Et parce que je suis espionné par ces présences extraterrestres, et ce contact avec cette personne de la sécurité dans ce magasin a été mal vu par le groupe extraterrestre Pro-Jésus, je précise, cette personne s'est faite attaquer avec une rare violence psychiquement dans son sommeil. Et là, je crois, pendant 15 jours, elle a été en arrêt de travail, ça c'est certain, mais je crois pendant 15 jours, tellement elle déprimait, et je peux vous confier, je ne citerai pas son nom à cette personne pour la protéger, et je ne vais pas dire le nom du magasin, elle a eu envie de se suicider. Sa vie sexuelle avec sa compagne a été détruite pendant 15 jours, tellement ses atteintes psychiques ont été graves. Et je vais vous citer maintenant le cas d'une autre personne, dont je cache pour le moment le nom, à la demande de cette personne, parce que cette personne est gendarme. Il s'agit d'un autre agent de sécurité très apprécié sur son lieu de travail, quelqu'un de très sérieux, qui a été contacté par les dangereux êtres gris, alors que j'avais informé cet agent de sécurité sur son lieu de travail de cette guerre extraterrestre dans laquelle nous sommes impliqués à cause du christianisme et à cause de tous les soutiens à Jésus. Donc les musulmans qui soutiennent Jésus dans le Coran, ils sont impliqués. Les juifs qui attendent un messie, même s'ils ne soutiennent pas Jésus, ils sont impliqués parce qu'ils attendent un messie. Les bouddhistes qui soutiennent Jésus, ils sont impliqués. Les vishnouistes qui soutiennent Jésus, ils sont impliqués. Les témoins de Jéhovah qui soutiennent Jésus, ils sont impliqués. Raël qui soutient Jésus, il est impliqué. Ceux qui fêtent ne serait-ce que la Saint-Valentin, qui se disent athées, mais ils fêtent la Saint-Valentin. Que croyez-vous que c'est la Saint-Valentin? Sinon, une promotion formidable pour les catholiques. Eh bien, ils sont impliqués. Alors, à propos des catholiques, maintenant,
mon âme, après avoir été celle de Gautama Bouddha, qui pour moi n'était pas Bouddha, mais pré-Bouddha. Et en cela, je le salue, mais j'irai pas plus loin. Mon âme a été celle d'une enfant de Marie-Madeleine et de Jésus, Sarah. Pourquoi ? C'est pour faire blocage par rapport à l'emprise du groupe extraterrestre pro-Jésus qui manipule les êtres qui commencent de s'éveiller aujourd'hui et qui ressent des ouvertures à leur âme et qui, de ce fait, ont envie de se rapprocher du groupe pro-Jésus. Pourquoi ? Parce que l'âme de leur chef a été l'âme de ce Jésus qui exerce une influence considérable sur l'humanité. Eh bien, comme Sarah ne s'est pas libérée, malheureusement, qu'elle a été extrêmement influencée par Jésus et sa famille, elle a encaissé une dette que son âme a emportée avec elle, et dans les incarnations futures, ça n'a cessé jusqu'à moi-même qui me suis libérée. Alors, j'ai dit déjà que mon âme a été ensuite celle de Léonard de Vinci, celle du Gréco, celle de Jean-Sébastien Bach, celle de Ludwig van Beethoven et celle de Carl Gustav Jung, un psychiatre qui s'est ouvert sur l'Asie, qui avait des ouvertures de l'âme extrêmement importantes, conscientes, et qui s'est intéressé aussi au phénomène OVNI. Il a même écrit à un représentant de l'état-major aux États-Unis pour lui demander des informations sur les activités OVNI aux États-Unis d'Amérique. Et cela, c'était publié dans un de ses ouvrages. Eh bien, je pense que mon âme a aussi été, je veux être prudent, je n'en ai pas une certitude absolue, parce que ce sont des choses très délicates que de découvrir des incarnations passées, vécues par mon âme, autrement dit. Je pense qu'il est très probable, je vais le dire comme ça, que mon âme a été celle de Flaccus Albinus, qui, en français, s'est appelé Alcuin. Alcuin, ou Flaccus Albinus, en latin, notez le mot Flaccus, hein, on a des inondations en ce moment. Cette personne est née à York, aux environs de 735 de notre ère. Et ensuite, cette personne a été à la cour de Charlemagne, nommé par Charlemagne, responsable de l'école au palais à Aix-la-Chapelle et responsable de l'école à Tours, en France. Alors, cet homme a été chargé de l'enseignement, donc il a une responsabilité importante et une dette donc très importante, parce qu'il était chrétien, vis-à-vis des Français et de la France, mais également des Allemands ou des Belges. Hein. Je pense à Aix-la-Chapelle, qui est tout proche, puisque je suis à Lille. Alors, cet homme était chargé de la conservation aussi des manuscrits, d'après ce que j'ai lu, et il était savant. Il est mort en 804 à Tours. Alors, étrangement, moi je suis impliqué dans cette affaire qui concerne des activités extraterrestres. Et Alcuin donc est né à York, en Angleterre. Il était anglo-saxon. Et ces extraterrestres ont fait ce crop circle à Millkill, ce groupe extraterrestre qui a prétendument pris notre défense face au groupe pro-Jésus, c'est pas tout à fait vrai, puisque pour moi c'est aussi un envahisseur qui cherche à nous dominer, et moi, je les chasse. A fait un crop circle, donc ce groupe extraterrestre, de 408 cercles, et on retrouve le 804. Et il y a étrangement une sorte de correspondance, puisque le 804 est le renversement de 408. Et on pourrait presque faire un jeu de mots, puisque ce crop circle tourne, et la ville de Tours évoque, je pense, la tour, le rempart, mais ces êtres extraterrestres se présentent comme des défenseurs, et ils font des tours autour de la Terre en même temps.
Donc, vous voyez, je fais un jeu de mots, toutes ces accointances qui me dérangent personnellement. Et sachez que je fais acte de discernement autant que je le peux, et que donc, je sais trouver ce qu'il peut y avoir de bon chez ce monsieur Alcoing comme de mauvais. Hein. Donc, son catholicisme, je le jette. Mais une personne qui a de mauvaises croyances, généralement, très souvent en tous les cas, a du bon en elle. Donc il faut savoir aussi le reconnaître. Sachez enfin que ces documents concernant ce crop circle à Melkil, dans un bar, on peut faire le jeu de mots avec bar, Jean-Sébastien Bach aussi, le ruisseau, dans un bar, au café de Paris, plus exactement, à Lille, le 8 septembre 2010, à la demande du président de la République Nicolas Sarkozy, j'ai rencontré deux policiers des renseignements généraux. Et ils ont souhaité enquêter très aimablement auprès de moi au sujet des alertes que j'avais envoyées à propos de la guerre froide extraterrestre dans laquelle nous sommes impliqués. Et j'avais transmis des preuves de ces communications chiffrées à Nicolas Sarkozy, notamment. Ou en tout cas, je les ai donnés, si j'ai bonne mémoire, non, je les ai donnés après à ces policiers. J'avais envoyé d'autres preuves à Nicolas Sarkozy, mais je les ai donnés après à ces policiers en main propre concernant le déchiffrage de ce crop circle à Melkil. Ce qui veut dire que l'Élysée connaît ce chiffrage où est employée notamment la clé de la Lune, si j'ai bonne mémoire, 74, et la clé du Cheval, 187. François Hollande a été aussi informé de tout cela. Donc, je vous répète, il y a beaucoup d'événements qui se passent, qui sont dramatiques, qui sont directement corrélés à cette affaire très grave. Donc, je souhaite très vivement que vous vous intéressiez à ce dossier sur mon blog OLCPIE, Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, et que vous fassiez un effort de connaissance, d'étude, et si possible, je l'espère, de ressentir qu'il y a une unité dans l'univers, et que lorsque l'on a certaines pensées qui sont en contradiction avec cette unité, on génère des événements plus ou moins désagréables de la part de la nature pour nous ramener dans l'ordre cosmique, c'est-à-dire que nous prenions conscience de ce qui ne va pas en nous, que nous le corrigions, et éventuellement de ce que nous avons réalisé quand c'est des centrales nucléaires. C'est pas parce que demain nous fermons les centrales nucléaires que nous avons tout résolu. Il y a le problème des déchets. Donc tant que la nature se sent menacée par les déchets nucléaires, elle va nous parler durement, si je puis dire, avec des catastrophes naturelles. Et puis, il y a ce qui se passe au niveau des plans de conscience humains, c'est-à-dire que lorsque je pense mal, notamment au sujet de mes congénères, eh bien, je participe moi-même à ce que d'autres congénères me ressemblent, apparaissent, se trouvent devant moi et me causent des problèmes, des soucis. Ce qui ne veut pas dire que c'est toujours l'explication qu'il faut fournir en toute situation analogue, car des êtres innocents sont attaqués par des gens qui ont des mauvaises pensées. C'est le cas de la nature, c'est le cas de tous les animaux. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez compter sur moi pour tenter de vous donner des explications, des soutiens, mais je tiens à vous dire que je suis quand même, au bout de tant d'années, très fatigué. Donc vous comprendrez pourquoi je passe plus de temps à la musique, qui
qui est une passion pour moi, qui est un moyen aussi aimant, joyeux, pacifique, de partager quelque chose avec plusieurs d'entre vous, je l'espère nombreux, mais chacun est libre et puis chacun ses goûts, ça je le respecte, même s'il y a des goûts que je condamne, il y a une liberté d'expression, avec tous les avantages et les inconvénients que l'on peut imaginer. Et puis je vais tenter de contacter des scientifiques parmi vous, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes que je pourrais faire en collaboration avec certains scientifiques. Je vais essayer de contacter de nouveau des journalistes, des ufologues. J'espère que vous allez faire un bon travail. Et je vous remercie pour votre attention.